Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur ce nouveau plateau avec la mission locale de Louviers-Val-de-Ruyandelle. Ce plateau un peu particulier, c'est un plateau virtuel, car comme vous le savez, on sort d'une période un petit peu particulière du confinement et ça nous permet d'avoir accès à nos partenaires, à nos jeunes, partout autour de la France, du monde et même ailleurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi beaucoup d'invités, de nombreux invités, de vous présenter de nombreux reportages. Et tout de suite, on va commencer avec ma première invitée, Christine Ranoux. Mais avant tout, générique. Bonjour Christine, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour, je t'entends très bien. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, quel est ton rôle au sein de la mission locale ? Alors, moi, je suis la directrice de la mission locale depuis de nombreuses années maintenant. D'une mission locale qui est composée de 25 personnes pleines d'énergie, qui couvre un territoire qui va depuis Lyon-Sandel jusqu'à Aquigny, en passant par le Breteuil, pour ceux qui connaissent un petit peu l'heure, et puis qui a pour centre principal l'Aglo-Seineur. D'accord. Et donc, cette mission locale, quels sont pour toi ses objectifs et les sujets qu'elle veut mettre en avant ? Alors, nos objectifs correspondent à nos missions, celles qui nous sont données par tous nos financeurs et toutes nos tutelles. Donc, c'est l'accompagnement des jeunes, tous les jeunes, quelle que soit leur situation, entre 16 et 25 ans, et qui ont quitté le système scolaire, souvent de façon un petit peu rapide, un petit peu précipitée, un petit peu compliquée, et pour lesquels il va falloir trouver les meilleures solutions pour s'insérer, autant dans leur vie sociale, personnelle que professionnelle, sur tous les plans qu'ils auront besoin de mettre en œuvre et de tous les problèmes qu'ils auront besoin de régler. D'accord. Donc c'est là où vous êtes peut-être un petit peu en marge de Pôle emploi, parce qu'on sait souvent que Pôle emploi, c'est la référence pour aller chercher de l'emploi. Mais est-ce que ça vous paraît, un petit peu particulier de vous comparer à Pôle emploi, ou est-ce que vous êtes une continuité ? Sur la partie emploi, on peut se ressembler parfois, parce que notre objectif, c'est aussi d'aider les employeurs à trouver des candidats sur leurs offres, et puis d'aider les candidats à postuler le mieux possible et sur les meilleures offres possibles pour eux en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Mais à côté de ça, on travaille aussi sur la formation professionnelle, aider des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de se qualifier dans le système de l'éducation nationale à obtenir des diplômes, des expériences professionnelles. Et puis, en plus de Pôle emploi, je dirais, si on doit se comparer à eux, c'est pour nous être à l'écoute de leurs besoins et y répondre, quel que soit le sujet et le domaine sur lequel ils peuvent nous interroger ou nous solliciter. La santé, le logement, des ressources, se déplacer, je ne sais pas comment faire, tout ce qui pourrait se présenter à eux comme difficulté ou ce qu'ils trouvent eux comme difficile à résoudre, ça c'est notre job. Et c'est la différence principale avec Pôle emploi. D'accord. Et pareil, le dispositif qui aujourd'hui est mis à l'épreuve avec la mission locale, mais ça fait quelques temps déjà que vous l'avez intégré, qui est Reporter Normandie Jeune, pour vous, est-ce que ça s'incruste dans le parcours d'accompagnement des jeunes ? Alors, ça concerne quelques jeunes, chaque année, des groupes, effectivement, qui sont volontaires. C'est un outil extrêmement important parce qu'il permet de travailler l'accompagnement et le développement des projets d'une autre façon. Les jeunes s'investissent, ils s'engagent dans un projet qui va durer. On leur demande de bénévolement, de se déplacer, d'apprendre de nouvelles techniques,
de mieux comprendre un environnement dans lequel ils doivent après apprendre à vivre. Donc c'est vraiment un outil essentiel et qui a pour intérêt d'utiliser un support qui est la vidéo, qui les réseaux sociaux, Internet, etc., les multimédias d'une façon générale, ce qui plaît beaucoup aux jeunes et ce qui leur permet de plus facilement je dirais, se motiver et s'engager sur le développement de projets autour de ça. Mais ce sont tout ça des supports très intéressants et puis qui vont développer des compétences qu'ils, de toute façon dont ils auront besoin et qui pourront valoriser dans le cadre soit de formation ou d'emploi après. Voilà, l'engagement sur des projets, l'envie de faire des choses, le fait d'aller vers les personnes pour interviewer, le fait de mieux connaître une technique, de pousser un petit peu ce que l'on ne sait pas faire. Tout ça, ce sont des compétences qui leur sont très utiles aussi, par ailleurs, dans leur vie professionnelle et personnelle. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Christine. Et puis, ça tombe bien parce qu'il y a des jeunes qui ont déjà passé le pas, qui ont déjà réalisé des vidéos. Et on en reparlera vers la fin du plateau, qui en ont préparé aussi pour la fin d'année, pour le gros plateau qu'on va réaliser. Mais avant tout, je te propose de découvrir avec nous et avec nos téléspectateurs le premier reportage de jeunes qui a été réalisé pour ce plateau par deux jeunes filles qui vont nous expliquer un petit peu voilà, ce qu'elles pensent de la mission locale et montrer ce qu'elles ont fait. On se retrouve tout de suite après le reportage. Salut Maëva, aujourd'hui on va parler de la mission locale, est-ce que tu es d'accord ? Salut Ornella, bah oui, avec plaisir. Comment tu te sens toi quand tu viens à la mission locale ? Bah franchement, je me sens grave à l'aise, ils sont tous sympas, ils nous aide à prendre confiance en nous, donc c'est que de la bonne entente. Mais Ornella, t'as parlé de quoi avec ta conseillère ? On a parlé de mon projet professionnel, des formations que je pouvais faire pour devenir animatrice en école maternelle, et ils m'ont aidé à faire mon CV, tout ça, pour que je puisse trouver plus facilement du boulot. Et du coup, toi, ils ont fait quoi pour t'aider, tes conseillers ? Les conseillers, ils m'aident surtout à prendre confiance en moi, ils m'aident à être moins timide, ils m'aident surtout à me tenir correctement en entretien d'embauche, ils m'aident aussi à rechercher des emplois, ils m'aident financièrement, grâce à eux je peux passer mon permis, avoir un logement et gérer mon argent comme il faut. Franchement, tu trouves que ton projet il avance grâce à eux ? Oui, mon projet il avance. En septembre, je vais pouvoir passer mon BAFA et puis les conseillers ils m'ont aidé à avoir plus confiance en moi et pour trouver un employeur pour travailler. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer notre ressenti par rapport à la mission locale. J'espère que ça vous a plu. C'était Maëva Ornella sur le dispositif de la garantie jeune. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter ce plateau. Je vous laisse maintenant avec le générique. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Wilfried Colvé, je suis conseiller en insertion professionnelle sur le dispositif de la garantie jeune à la mission locale de Lévis-Val-d'Oraël. En quoi consiste la garantie jeune ? Alors, la garantie jeune, c'est un dispositif qui est dédié aux jeunes, qu'on appelle NEET en anglais. C'est des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en scolarité. Donc, c'est un dispositif sous réserve aussi qu'ils répondent à un critère de revenu. Il ne faut pas qu'ils soient imposables ou que leurs parents soient imposables. Et c'est un dispositif qui leur permet de bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi, la formation, pour lever tous les freins afin qu'ils puissent accéder à l'autonomie. Et quelles sont les aides apportées aux jeunes ? Sur le plan emploi de la formation, les aides dans un premier temps, les jeunes, ils perçoivent tous les mois pendant un an une allocation de 492 euros qui leur permet de sécuriser leur parcours pour être tranquille dans la construction de leur projet. Quel est votre ressenti sur votre rôle de conseiller ? Mon ressenti sur le rôle de conseiller, il est simple, la garantie jeune, ça permet aux conseillers d'avoir un lien privilégié avec le jeune,
avec les jeunes. Ça nous permet de les accompagner pendant un mois plein, de bien les connaître, de créer une relation de confiance entre le jeune et le conseiller afin de pouvoir co-construire le projet du jeune en concertation avec le jeune. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, bonjour, moi c'est Clément Zélo, j'ai 22 ans, je suis anciennement garantie jeune et anciennement syndicé. Comment avez-vous connu la garantie jeune ? J'ai connu la garantie jeune en m'informant sur internet qu'il y avait un dispositif qui pouvait m'aider. Et donc j'y suis allé à Val d'Oreille, à la dispositif, et on m'a proposé d'aller dans le dispositif. Comment avez-vous vécu la garantie jeune ? Alors j'ai connu la garantie jeune en m'informant sur internet. Et après, j'y suis directement allé à la mission locale. Et en allant à la mission locale, des personnes travaillant ici m'ont proposé sur deux entrées dans le dispositif de la garantie jeune. Comment avez-vous vécu la garantie jeune ? Ma garantie jeune, je l'ai bien vécue, car pendant le premier mois, il fallait faire un mode collectif. Et après, il fallait trouver des stages et de l'emploi. Et à un moment, dans la garantie jeune, on m'a proposé le dispositif RNG. Et quels sont vos futurs projets ? Mes futurs projets sont de travailler dans l'audiovisuel, donc soit faire des formations ou entrer dans une école, et de retrouver un emploi dans ce domaine. Merci à Clément et Wilfried. On se retrouve tout de suite après un reportage. Dans un premier temps, Nils, tu peux te présenter tout simplement. D'accord. Donc, je m'appelle Nils Toussaint, j'ai 21 ans. J'étais en garantie jeune jusqu'à ce que je trouve un CDD en tant qu'animateur radio à Radio Espace à Louvier. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment s'est passé ton accompagnement ? Alors, dans un premier temps, pourquoi tu as sollicité la garantie jeune ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans le cadre de la garantie jeune ? Et puis, nous dire où tu en es aujourd'hui, même si tu viens de nous en donner. D'accord. Alors, j'ai sollicité la garantie jeune après la fin d'une poursuite d'études, on va dire, après avoir arrêté la fac, en fait, sans spécialement de diplôme ou de piste sur où m'orienter. Donc, j'ai des amis qui étaient déjà passés par la garantie jeune qui m'ont conseillé d'essayer ce programme. Ensuite, s'en est suivi donc un programme sous garantie jeune où l'aspect le plus important, en fait, ça a été d'être tout le temps relancé vers des stages, etc., tout le temps essayer de trouver des opportunités. Et ça a fini par payer assez rapidement. J'ai pu exposer ce que je savais faire lors d'un stage et ça a convaincu le patron qui m'a par la suite embauché. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails par rapport à cette entreprise et quelles sont les actions qui t'ont peut-être aussi permis d'optimiser cet accès à l'emploi ? Alors, cette entreprise, donc, c'est une radio régionale. Et je dirais, vu que c'est un secteur assez spécifique, tout de même, ce qui m'a le plus orienté, c'est que j'avais déjà une certaine appétence pour la radio, en tout cas pour le journalisme, les médias et les actions au sein de la garantie jeune. Je pense notamment à, comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom en fait. Reporter Normandie Jeune peut-être. Reporter Normandie Jeune, exactement, qui m'a vraiment en fait pour la première fois plongé, immergé dedans. Ce qui m'a poussé ensuite à chercher des stages en radio par exemple. Tu peux me préciser une des missions qui t'a marqué dans le cadre de Reporter Normandie Jeune, une action en particulier peut-être ? La plus intéressante et celle qui m'a le plus plu et le plus plongé dans cet univers, ça reste la couverture du salon de l'emploi ou de l'apprentissage à Val-de-Reuil, avec un plateau télé, de Reporter Normandie Jeune, etc. Ok. Tout à l'heure, tu me disais que des amis à toi t'avaient parlé de la mission locale et de la garantie jeune. Du coup, tu es arrivé via le bouche à oreille. Est-ce que tu avais entendu parler de la mission locale et de la garantie jeune avant ? Absolument pas. C'était un service que je ne connaissais pas du tout avant, justement, comme on parle. D'accord, ok. Si tu avais un mot à dire sur la globalité de l'accompagnement à la mission locale, sur quels axes
peut-être en dehors du projet pro, on a pu intervenir ou t'accompagner à prendre des décisions? Eh bien, ensuite, on m'a tourné vers certaines aides d'origine médicale, des conseils pour me tourner vers les spécialistes adaptés. On m'a aussi conseillé d'un point de vue professionnel, par exemple, plutôt éviter le service civique, mais plutôt m'orienter vers un contrat beaucoup plus avantageux. J'ai trouvé, c'est-à-dire le contrat PEC. Parcours emploi compétences. Voilà. OK. Et voilà. En termes de mobilité, parce que tu ne nous dis pas tout, tu es un vilain petit cachotier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi? Et aujourd'hui, j'avais aussi oublié ça, mais la mission locale, elle a pu m'orienter vers une auto-école sociale, donc qui va me permettre d'obtenir mon permis bientôt, j'espère, et à moindre coût surtout. Surtout, d'accord. Parce que c'est vrai qu'en termes de mobilité, toi, tu n'habites pas Louviers même, tu habites à la campagne. Oui. Du coup, en termes de transport, comment tu fais aujourd'hui pour te rendre sur Louviers, sur ton lieu de travail? À l'heure actuelle, c'est énormément mes parents, mon père qui m'emmène et puis les transports en commun. Oui, et ce n'est pas forcément bien desservi entre Louviers. Ah non, non. Une fois sur Louviers même, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas sortir de ma campagne sans transport, avec les transports en commun. Il me faut forcément l'aide de la famille. Bon, je sais que tu es en week-end, que tu as envie d'apprécier cet instant. Si tu avais peut-être le mot de la fin, un mot à nous dire par rapport à la mission locale ou des conseils pour d'autres jeunes qui voudraient bénéficier d'un accompagnement. Eh bien, je conseille fortement la mission locale parce que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui avec un emploi, peut-être un accès au permis, etc., c'est notamment en très grande partie grâce à la mission locale. Ok, eh bien, écoute, je te remercie. Moi, j'avais juste un mot à dire, c'est que là où tu en es aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi parce que tu as su te donner les moyens. Nous, on est là en tant que support pour vous conseiller, donner un petit coup de pied aux fesses de temps en temps parce que la motivation, oui. Elle n'est pas toujours présente, mais tu ne peux t'en vouloir qu'à toi de réussir aujourd'hui. Ah, dommage, je voulais porter la faute sur vous, mais tant pis. Ok. Nil, bon. Je te remercie beaucoup d'avoir donné un petit peu de temps. On a pas réussi à s'organiser via Zoom. Un jeune qui sait s'adapter, avec qui j'ai grand plaisir à avoir du lien encore prochainement. Donc, je viendrai t'embêter à la radio. Oui. J'espère. J'espère, oui. Bon, okay. Je te souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et salut. À bientôt. Salut. Et merci d'être de retour sur ce plateau virtuel. Comme vous l'avez vu, on vous a proposer à une autre présentatrice sur le plateau d'avant. Et ce coup-ci, c'est moi qui reprends l'antenne pour 3 invités exceptionnels pour parler de parrainage, de belles histoires, et puis tout ça dans quelques instants après le générique. Bonjour à tous mes invités et bonjour particulièrement à Séverine. Séverine, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends, Adrien. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quelques mots, qu'est-ce que c'est le parrainage, s'il te plaît? Alors, le parrainage, en fait, c'est un engagement entre un jeune qui est inscrit à la mission locale et un parrain ou une marraine bénévole. Et en fait, c'est une relation basée sur l'échange et l'écoute de deux personnes qui ont envie, une personne qui a envie d'aider et l'autre qui a envie d'avancer. Super. Et donc, le parrainage, c'est pour quels jeunes et c'est pour quelles entreprises? Alors, ce sont des jeunes volontaires engagés dans des démarches actives de recherche d'emploi ou de formation, ou qui ont envie de continuer à construire un projet professionnel, mais qui sont vraiment très actifs dans leur démarche. Et en fait, ils ont besoin parfois d'être accompagnés sur différents... Il y a différents objectifs, donc ça peut être découvrir des entreprises, approfondir la connaissance sur certains métiers, acquérir de l'expérience, développer un réseau professionnel, mais aussi affiner une stratégie de recherche d'emploi. D'accord. Et les parrains et les marraines, en fait, que nous, on a dans notre réseau parrainage, ce sont soit des chefs d'entreprise, des artisans, des salariés, ça peut être aussi des responsables d'associations, parfois des retraités, qui peuvent être issus de différents secteurs d'activité. En fait, tout le monde est bienvenu dans le parrainage à partir du moment où la personne a envie de donner un peu de son temps aux jeunes.
D'accord. Et donc, comment ça se passe en général? Est-ce qu'on vient voir la mission locale? Est-ce qu'on doit appeler? Est-ce qu'on doit envoyer un mail? Comment est-ce qu'on fait pour devenir parrain? Alors, tout simplement, tous ceux qui auraient envie de, effectivement, de donner un peu leur temps et de devenir parrain, il suffit de me contacter, donc, soit par mail ou par téléphone. Donc, voilà, m'envoyer un mail, prendre contact avec la mission locale de Val-de-Reuil, et puis on leur donnera mes coordonnées. D'accord. Et donc, dans la vie de tous les jours, concrètement, le parrain, comment ça se passe? Est-ce qu'il doit s'occuper du jeune? Est-ce qu'il doit l'inviter à venir sur le lieu de travail? Comment ça marche? En fait, à partir du moment où on met en lien un jeune et un parrain, le premier rendez-vous, moi j'accompagne le jeune avec son nouveau parrain pour pouvoir fixer les objectifs du parrainage qui peuvent être variés. Donc ça peut être plusieurs rendez-vous individuels, mais ça peut être aussi parfois des contacts par mail ou par téléphone, selon les disponibilités de chacun et la distance, parce que les jeunes n'habitent pas toujours à côté de chez leur parrain, même si on essaye de faire en sorte, mais bon. Et en fait, le rôle du parrain, ben, il peut être varié. Donc, ça peut être recevoir les jeunes en entretien mais pour valoriser soit des compétences, soit pour partager ses connaissances, soit les guider dans ses choix, l'aider à faire des choix. Le conseiller parfois sur un CV, la lettre de motivation, ça peut être la préparation à l'entretien d'embauche, mais ça peut être aussi l'encourager et l'aider à prendre confiance en soi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour avoir étayé un petit peu le sujet. Et puis, ça tombe bien parce qu'on a avec nous deux invités qui vont aussi nous expliquer leur expérience vis-à-vis du parrainage, notamment Sandra. Sandra, est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait. Super. Alors, Sandra, tu as accompagné un jeune et tu as découvert le parrainage. Comment est-ce que tu es rentrée dans l'aventure du parrainage? Alors, l'aventure du parrainage a commencé quand on a lancé notre campagne de recrutement des alternants. Tous les ans, en fait, Veolia ça lui tient à cœur de recruter des alternants et par cette mission, on va dire, on s'est rapproché de la mission locale de Val-de-Reuil, pardon, et on recherchait un jeune pour le BTS métier de l'eau. Et on a rencontré Sharaf, et c'est de là qu'a démarré en fait ma mission de marraine. D'accord. Et donc, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ta mission de marraine avec Sharaf? Alors, comment je l'ai vécu? Déjà, c'est une relation humaine. C'est écouter un jeune, lui donner la chance de pouvoir nous livrer ses envies, ses attentes. Et j'ai trouvé que c'était assez riche, puisque ça nous a permis, en effet, que Sharaf puisse intégrer notre entreprise et démarrer son alternance avec le diplôme du BTS métier de l'eau. Et quand vous avez du coup proposé à Sharaf et que vous avez créé ce parrainage, est-ce que c'était un profil que vous recherchiez ou est-ce que vous lanciez un petit peu au hasard avec un jeune? Alors, on recherchait vraiment un jeune pour ce BTS métier de l'eau. Le premier entretien avec Sharaf a été difficile parce que c'est un exercice difficile. Et je pense que si on n'avait pas ce partenariat justement avec la mission locale, on se serait peut-être arrêté à cette première étape. Donc le fait d'avoir une relation de confiance avec la mission locale, on a écouté aussi leur avis, leur ressenti par rapport à Sharaf. Et on s'est dit qu'on allait peut-être passer à côté de quelque chose parce qu'il avait une attente assez forte sur l'environnement. Donc on s'est dit, attention, il y a peut-être une première passion qui est en train de naître et il ne faudrait pas passer à côté. Donc on lui a proposé une petite journée d'immersion chez nous. Et c'est là que ça a porté ses fruits et que pour lui comme pour nous, ça a été une journée où on s'est dit que c'était à Sharaf aussi de se positionner, mais on avait envie de lui tendre la main et c'était du gagnant-gagnant. En fait. Super. Et donc pour le futur, est-ce que vous voulez réitérer l'expérience avec d'autres jeunes? Est-ce que
vous voulez vraiment rester en contact avec Sharaf et puis vous concentrer sur, sur son BTS, etc. Comment est-ce que vous voyez le futur, vous? Le futur, moi, je le vois main dans la main avec autant de jeunes qui sont partants. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de riche. On se sent utile et ces jeunes ont parfois vraiment besoin de pas grand-chose finalement et de consacrer du temps, c'est parfois suffisant. Donc, je parle pour moi, mais je parle aussi pour l'équipe RH. Ça nous tient à cœur dans notre entreprise de vraiment pouvoir être main dans la main et d'avoir des relations humaines de qualité. Eh ben super, merci beaucoup pour ce retour en tant que marraine. Et puis, je demandais à Sharaf maintenant, si tu m'entends, de pointer le bout de ton nez et puis de venir discuter avec nous. Bien sûr, je vous entends, même si j'ai une petite mauvaise connexion, mais voilà, je vous entends. Bonjour. Super. Alors, Sharaf, comment est-ce que toi, tu as rencontré la mission locale? Alors, la mission locale, moi, c'était après ma seconde où ça ne me plaisait pas trop. J'étais en reconversion professionnelle. Et j'ai su que la mission locale pouvait aider les jeunes à rentrer justement dans la vie professionnelle et je me suis inscrit du coup. Et c'est exactement ça, ils t'apprennent à passer un entretien d'embauche, à chercher vraiment les emplois, à comment se débrouiller seul face à la vie professionnelle qui était une nouvelle pour moi. C'était une nouvelle pour moi. Et grâce à ça, j'ai pu après... passer un bac pro hygiène propreté et stérilisation et en cherchant en cherchant un BTS métier service de l'environnement ils m'ont aidé à avoir un contrat aidé le temps que je trouve mon alternance un contrat aidé après ça pendant que je cherchais ils m'ont fait de l'eau gestion et maîtrise de l'eau j'étais assez sceptique au début mais après avoir rencontré Marianne avec un rendez-vous et qu'elle m'ait proposé une journée de découverte. J'ai pu découvrir les toutes sortes de métiers, et sachant que je suis vraiment dans l'environnement, tout ce qui est écologique, le développement, ça allait bien, en fait, ça collait finalement, et c'est comme ça que qu'ils ont pu me mettre en connexion pour pouvoir travailler en alternance chez Veolia. Super. Donc, pour toi, l'alternance, est-ce que c'est plus un choix? Est-ce que c'est plus une manière d'être à l'école sans être à l'école? Comment est-ce que tu vis l'alternance? Alors, non, l'alternance, c'est un choix, parce que même si il faut toujours la pratique, en fait, parce que quand on veut chercher un travail, tout ça, si on n'a pas, la pratique qui va avec, c'est plus difficile... C'est plus difficile de débuter, alors que si dès le début, il y a aussi la pratique, c'est plus facile de pouvoir rentrer dans le métier et tout ça. Et justement, le domaine dans lequel tu as décidé de te lancer et ton BTS, est-ce que pour toi c'est une voie d'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît beaucoup? Ou est-ce que tu as une volonté de continuer derrière? Oui, bien sûr. Non, franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que de jour en jour, j'aime de plus en plus. Et non, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer et de pouvoir évoluer avec eux si c'est possible, s'ils veulent bien de moi. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui hésite peut-être à passer la porte de la mission locale ou qui ne sait pas trop quoi faire? Sachant que justement j'étais comme ça, franchement, parce que tout jeune est perdu de pouvoir passer des cours à devoir chercher un travail, tout ça c'est vraiment un changement qui est, je pourrais dire, radical, et que la mission locale, elle sait exactement comment pouvoir te propulser vers ce monde-là, je dirais. D'accord, super, merci à tous pour vos retours, et merci à tous les trois, et j'espère que beaucoup de jeunes passeront le pas et réfléchiront, et beaucoup d'entreprises réfléchiront à prendre des jeunes avec eux en parrainage. Merci à vous, et je vous propose de regarder avec nous le prochain reportage, qui a été aussi
écrit et créé et monté par des jeunes. On se retrouve tout de suite sur notre plateau virtuel après ce reportage. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Nastasia, j'ai 18 ans. J'ai effectué un bac sciences techniques et agronomie du vivant dans un lycée à Brémontier-Merval. Après ça, j'étais un petit peu perdue, donc je me suis réorientée vers la mission locale dans le dispositif de la garantie jeune, qui m'ont vraiment aidée à préparer mon projet qui était de commencer un BTS management commercial opérationnel en alternance. J'ai eu un entretien avec un magasin de vêtements à Tourville. Donc je commence ma période d'essai en juillet, j'ai signé mon contrat chez eux. Donc la mission locale, ils m'ont beaucoup aidée, que ce soit avant ou pendant le confinement, avec des simulations d'entretien, des ateliers pour retravailler le CV. Donc c'est là que ça m'a vraiment donné confiance en moi et que j'étais vraiment préparée pour mes entretiens et à trouver une entreprise. Et de même, pendant le confinement, ma marraine de la mission locale m'a aidée aussi à trouver, en cherchant de son côté, elle, si elle connaissait du monde dans le milieu. Donc voilà. Et bien voilà, de retour sur le plateau virtuel de la mission locale pour un nouveau plateau avec de nouveaux intervenants. Mais avant de vous les présenter, tout de suite, parce que ça fait longtemps, un petit générique. Bonjour Joël, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends bien, Adrien, bonjour. Bah super. Alors, explique-moi pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui, qui es-tu et pourquoi est-ce que tu as envie de venir t'exprimer sur notre plateau virtuel ? Alors, donc qui je suis ? Donc Joël Lefrançois, je suis la directrice adjointe de la mission locale de Louviers-Val-d'Oreuil-Andelle et plus particulièrement en charge de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Alors c'est des projets assez vastes, hein, assez larges. Ça peut aller, je vais vous en citer trois, ça peut aller d'une réflexion sur au niveau du réseau des missions locales des Open Badge, voilà, pour travailler sur de la reconnaissance au travers des Open Badge. Ça peut être de créer un escape game sur lequel on est en réflexion cet été avec l'agglomération Senneur pour des jeunes de 16 à 18 ans et de travailler la question de l'orientation. Et ça peut être aussi des projets comme Reporter Normandie Jeune que nous avons commencé à mettre en place depuis 2018. Tous ces projets ayant le but de... Il y a les conseillers et conseillères qui travaillent l'accompagnement avec les jeunes, mais voilà, il faut leur permettre aussi de vivre un certain nombre d'expériences. Et ces projets ont cette ambition-là. Et il me semble que nous avons avec nous donc, un intervenant du lycée des Fontenelles qui va peut-être vous parler un peu plus du projet qu'on a souhaité mettre en place au niveau d'un plateau télé. D'accord. Et donc pour toi, quel est l'objectif de faire comme ça des projets un petit peu originaux avec la mission locale ? Quel est l'objectif de faire par exemple Reporter Normandie Jeune ? Alors, double. Comme je l'ai dit juste avant, c'est effectivement de créer des expériences à vivre pour les jeunes, parce que voilà, le principe souvent d'un jeune, c'est d'être inexpérimenté, d'avoir besoin d'expérience pour développer ses compétences, que les expériences, elles ne sont pas toujours faciles à trouver en entreprise via l'emploi directement quand on est jeune, parce que justement inexpérimenté. Et donc tous ces projets, voilà, c'est de mettre en œuvre des actions qui vont permettre aux jeunes de développer des compétences, de développer de l'expérience, qui bien évidemment va alimenter leur CV et les rendre aussi plus confiants en eux-mêmes, parce que voilà, ils auront pris un peu d'expérience, ils auront vécu des choses que nous espérons sympas, le plus sympa possible. RNJ en fait partie, puisque entre autres, ça permet de développer compétences autour des médias, mais aussi du relationnel, de la prise de parole, du travail sur l'image de soi. Voilà, tout un ensemble de compétences qui peuvent leur servir dans leur insertion professionnelle.
D'accord. Et donc, si jamais je veux participer à un plateau télé ou si jamais je veux faire un escape game, comment ça se passe ? Eh bien, comme nous avons une communication qui est quand même relativement active, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, notre page Facebook, Instagram, Twitter, mais ça passe bien évidemment aussi par les conseillers qui en parlent aux jeunes qu'ils accompagnent. Et ça passe aussi par nos partenaires qui sont des relais auprès des actions qu'on peut mener, mais c'est aussi vice-versa, c'est-à-dire que le partenariat, il va dans les deux sens, c'est-à-dire que voilà, le but, c'est pas que les jeunes viennent à la mission locale et rentrent sur nos différents dispositifs, mais c'est aussi promouvoir et valoriser les actions de nos partenaires sur les territoires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et voilà, le travail du partenariat est aussi important pour développer les projets et pour servir les jeunes. D'accord. Bah, on parle de partenaires. Alors, voilà, je vais appeler notre ami qui était avec nous aujourd'hui. Bruno, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Bonjour, Adrien. Et bah, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau virtuel pour tenter l'expérience avec nous. Tout simplement, pourquoi est-ce que un lycée irait travailler avec la mission locale aujourd'hui ? Pourquoi un partenariat comme ça ? Bah, j'irais d'abord pourquoi pas. Après, donc, un lycée comme les Fontenelles, le lycée des Fontenelles à Louviers, qui accueille à peu près 1400 élèves, 200 adultes en formation continue, de l'apprentissage, donc il est bien clair que la mission locale est un partenaire incontournable puisqu'on a des liens assez proches, ne serait-ce que, Joël en a parlé un petit peu, à travers, les forums que la mission locale organise. Concrètement, au niveau du lycée, Joël est intervenu sur les CV, les lettres de motivation auprès de nos jeunes. Ça fait partie d'un partenariat qui permet de mettre en valeur aussi ce que l'on fait au niveau du lycée. La mission locale a bien sûr toute sa place au sein d'un établissement scolaire. D'accord. Et donc, le partenariat de cette année, il se basait principalement sur un plateau télé, qui a malheureusement été reporté à cause des conditions avec le Covid, etc. Pourquoi créer un plateau télé dans un lycée alors que ce n'est pas un lycée à vocation audiovisuelle ? La grande difficulté, je dirais, d'un établissement scolaire, c'est justement de faire connaître ce qui se passe dans ses murs. Et il se trouve que le lycée des Fontenelles, c'est un lycée polyvalent. Donc on a du général, ça je crois que tout le monde le sait, puis on a aussi des voies technologiques et professionnelles, et par contre sur un caractère industriel ou sciences de l'ingénieur, et c'est des voies qui actuellement sont en difficulté de recrutement, parce que c'est aussi des métiers qui sont méconnus. Et justement, le fait d'accueillir un plateau télé, ça permet de mettre en avant, bien sûr, les compétences des élèves, que développent les élèves dans ces différentes sections, faire connaître à l'extérieur, auprès des entreprises, auprès des collectivités locales avec qui nous travaillons, vraiment ce que l'on met en œuvre, en fait, c'est hyper important. Donc c'est un super réseau de communication. Et en même temps, je crois que maintenant on peut le dire, même si la journée n'a pas eu lieu, à l'interne, ça a été un formidable outil de management auprès des équipes, parce que les enseignants, les élèves se sont pris au jeu et ils demandent maintenant quand est-ce que ça revient, quoi. Donc c'est super. Donc oui, c'est ça, il y a déjà eu quelques vidéos de tournée, il y a déjà eu quelques préparations d'effectuer pour le plateau. Tout ça, c'est pas perdu, ça viendra sur le prochain plateau qui arrivera normalement fin d'année. Est-ce que tout le monde est encore motivé ? Est-ce que tout le monde veut encore y aller et faire un beau plateau en fin d'année ? Au contraire, on vous attend avec impatience avec cette nouvelle équipe, surtout qu'en plus il y a des focus aussi sur différents partenaires entreprises ou branches professionnelles qui étaient prévus. Donc là je sors de réunion et on m'a reposé la question, donc au contraire, votre emplacement est réservé. Super.
Et donc, pour ceux qui regardent ce plateau virtuel, un petit peu bah voilà, pour se mettre quelque chose sous la dent en attendant la fin d'année, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour donner envie de nous rejoindre tout simplement pour ce grand plateau qu'on fera au lycée Les Fontenelles? Leur donner, je ne sais pas, mais simplement les inviter à être curieux et de venir un petit peu nous rencontrer, voir un petit peu toutes les technologies, découvrir les technologies que l'on a au lycée Les Fontenelles. Je suis pas sûr que vous sachiez qu'il y a une ligne de fabrication de savon. Voilà, on a de l'imprimante 3D, on a un simulateur de vol, et tout ça font partie des projets sur lesquels travaillent nos élèves. Donc voilà, soyez curieux et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. L'établissement est ouvert à toute visite. On répondra avec grand plaisir à vos sollicitations. D'accord. On n'hésitera pas à donner vos coordonnées et puis à donner un petit peu plus de détails dans les descriptions de la vidéo pour ceux qui voudraient se rendre et puis prendre contact avec le lycée. Et puis en attendant, j'ai une petite surprise pour toi Joël et puis pour toi Bruno. Merci d'avoir participé à ce plateau virtuel et je vous propose de regarder cette surprise en même temps que nos téléspectateurs. On a préparé un petit teaser justement du reportage sur la ligne de fabrication de savon. Alors restez avec nous, regardez ça jusqu'au bout et on se retrouve tout à l'heure pour encore une dernière surprise et un invité mystère. Mais tout de suite, reportage. Bienvenue dans une émission reporter d'un des jeunes. Comme vous le savez, nous allons rencontrer des jeunes pour de nouvelles aventures. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 16 ans, je suis un élève de Bac Pro, seconde MEI, influence d'équipement industriel. D'être là pour ce dernier plateau virtuel avec la mission locale de Louviers-Val-d'Oriandel. Petite surprise, on a avec nous aujourd'hui un invité mystère qui va se présenter tout de suite après le générique. Bonjour invité mystère, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire à nos téléspectateurs qui vous êtes? Bonjour, Jeannick Léger, je suis la présidente de la mission locale Louviers Val-d'Oriandel. Eh ben, super, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la mission locale et pour clore ce plateau. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui concrétise les valeurs de la mission locale? Ce sont des valeurs profondément humanistes et d'éducation populaire pour emmener nos jeunes vers une autonomie d'adulte. Solidarité, humanisme et professionnalisme. Super. Alors, comme vous le voyez ici, sur ce plateau virtuel, ce sont des jeunes qui réalisent et voilà, qu'on a réussi à appeler ce matin pour rejoindre l'aventure. Et puis RNG, c'est un grand projet qui inclut des jeunes et des conseillers. Toute cette énergie, où est-ce que vous la puisez et comment est-ce que vous la mettez en œuvre? L'énergie, elle est puisée avant tout chez nos professionnels qui croient profondément dans leur métier, qui croient profondément dans la jeunesse et qui savent que tous les efforts qu'ils produisent concrétiseront des projets de jeunes et les inséreront durablement dans leur vie sociale et professionnelle. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner en tant que mission locale, certes, mais en tant que voilà, personne qui a rencontré beaucoup de jeunes, qui a vécu beaucoup de choses avec les jeunes, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes pour surmonter les épreuves du quotidien et puis pour se lancer dans la vie active? Je crois qu'il y a deux formes de conseils. La première, c'est ne jamais baisser les bras, toujours croire en soi et s'autoriser à vivre ses rêves. Parce que quand on a 16, 17, 18, 20 ans, il faut encore s'autoriser à rêver et surtout croire en soi. Et à partir de là, tout est possible. Et aujourd'hui, la grande question, parce qu'on est quand même dans une période un petit peu particulière en France et dans le monde, la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va construire ensemble le monde d'après pour les jeunes et puis pour tout le monde sur la Terre. Comment est-ce que la mission locale espère améliorer le monde d'après?
Sacrée ambition que vous nous demandez là. Je crois que les missions locales, elles ont pour elles d'être à l'affût des métiers de demain, des métiers d'avenir. Et ça, c'est une vraie force pour le monde de demain. Ce que nous savons déjà, c'est que la désindustrialisation a fait bien des ravages. Et quand je disais qu'il faut rêver, c'est aussi qu'il faut s'inventer un monde peut-être plus écologique, un monde aussi avec des services nouveaux, notamment vers nos seniors. Et à partir de là, on pourra peut-être construire une société un peu différente, inventer des métiers innovants, technologiques, techniques, mais aussi de services. Et en ça, les missions locales sont à la pointe de cette recherche-là. Et donc, pour atteindre ces objectifs-là, est-ce qu'il manque quelque chose à la mission locale? Alors bon, ça peut être financier, certes, mais ça peut être aussi de la visibilité ou autre. Qu'est-ce qui pourrait manquer à la mission locale pour réussir au mieux toutes ces missions? Dans le premier point que vous évoquez, la confiance des financeurs. Ne jamais essayer de se dire qu'ils pourraient trouver mieux. Les missions locales, aujourd'hui, elles ont fait leurs preuves. Et encore pendant cette pandémie où elles n'ont jamais lâché leurs jeunes, où elles ont sécurisé des parcours, on a besoin de la confiance de nos financeurs pour continuer à aller de l'avant. Après, c'est simplement nos professionnels continuent forcément à se former. Et on leur demande d'être curieux du monde de maintenant, mais du monde aussi de demain. Et c'est à nous, les élus du conseil d'administration et les professionnels réunis, d'avoir cette vision d'avenir pour nos jeunes et pour pouvoir leur permettre de leur faire des propositions. Bah, merci beaucoup d'avoir apporté donc ces paroles et puis cet optimisme à la fin de ce plateau. Ce sont voilà, une dizaine de jeunes qui ont réalisé les reportages qu'on a vus et le plateau. Est-ce que vous avez un mot à leur passer et voilà, peut-être un petit mot de la fin? Oui, tout à fait. D'abord, merci à eux vraiment très sincèrement. Et puis, merci surtout d'être nos ambassadeurs, parce que la mission locale, je crois qu'elle n'existe pas sans les jeunes, tout simplement. Alors, les jeunes qui viennent chercher du service, mais aussi les jeunes qui se mettent au service de la mission locale. Merci beaucoup à vous. Bah, je me joins à eux pour vous renvoyer le merci aussi. Et merci d'avoir permis de réaliser des aventures comme ça et puis que ça continue. Et merci d'avoir participé à ce plateau. Et on espère vous revoir peut-être sur d'autres plateaux ou du moins voilà, vous rencontrer en vrai, pourquoi pas prochainement. Et, Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir partagé, d'avoir partagé avec vos connaissances. Et puis on vous donne rendez-vous en novembre pour le grand plateau de la mission locale de Louviers-Val-d'Oriandel, qui sera bien sûr diffusé sur Facebook et sur YouTube, sur le réseau de la mission locale de Val-d'Oriandel. On remercie à tous nos partenaires, on remercie forcément à la région sans qui on ne pourrait pas avoir le dispositif de reporter Normandie Jeune. Et on remercie à tous ceux qui sont passés sur le plateau. Donc je ne vais pas les citer un par un parce que ça pourrait être un petit peu long. Mais voilà, on leur donne rendez-vous très prochainement. Et à vous aussi, sur tous nos réseaux. Et puis surtout, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, restez jeunes jusqu'au bout. Ciao.